Rebonjour à tous, on est aujourd'hui à Rostov sur le Don, il est 18h au stade de Rostov, à l'arène Rostov on va dire. C'est Uruguay et Arabie Saoudite. Voilà, quatrième match total du groupe A. C'est la même arène où Brésil-Suisse avait pris place, j'espère qu'on aura un meilleur score que la fois où il y avait ce match là. Et moins de tirs loupés surtout. Uruguay, des équipes sont sur le terrain. On va passer à l'une de l'Uruguay. Voilà. Voilà. Et c'était l'hymne saoudien. Donc, on serre les mains, mais je vais en profiter pour dire que la Russie est qualifiée. La Russie, on sera pas obligé de les mettre en rouge pour le match d'après, mais je vais quand même essayer. Pas obligé de les mettre en blanc, par contre, pardon, mais je vais quand même essayer. Parce que normalement, chaque équipe devrait être capable de jouer contre une équipe qui joue en blanc. Allez, les compositions. Du coup, on va commencer par l'Uruguay, entraîné par Tabarez. C'est Muslera dans les buts. Varela, Godin, Jiménez et Laxal. Nandez, Betancourt, Vecino et Rodriguez. Vecino et Cavani et Suarez en pointe. Pizzi entraîne l'Arabie Saoudite. J'ai pas eu le temps de voir le gardien. Charnani, Awas, Asawi. Je vous laisse dire actif. Enfin, je vais dire ce que je peux lire. Al-Jassam, Al-Abed et Al-Salawi. Ils sont compliqués les Saoudiens à dire leur nom. Allez, c'est parti pour ce match des Saoudiens qui ont engagé. Al-Jassam. Al-Shalawi. Allez. Attention, Jiménez qui la sort. Allez, Cavani. Nandez. Betancourt. Vecino. Suarez. Suarez, la frappe de Suarez. L'arrêt du gardien saoudien. Jassab. El Salawi. Ça sort en touche pour les Saoudiens. Al-Faraj, Salawi. Charani, Atif. Charani encore. El-Sheri. C'est Jiménez. Encore une fois. Et Rodriguez. Suarez. Godin vers Vecino. Betancourt. Rodriguez. Vecino. Cavani. Ah, dommage. Atif, c'est bien joué. Arbi. Abed. Ouais, faute pour les Saoudiens. C'est joué vite. Vers Al-Abed. Salawi. Salawi, pardon. Attention, Salawi, l'arrêt de Muslera pour l'Uruguay. Ah, quel bel arrêt.
Allez. Attention, c'est toujours pour les Saoudiens. Avec Cavani qui la sort encore en corner. Oh ouais, c'est bel arrêt. Attention. Voilà, bien joué. Ça sortir en touche pour l'Arabie Saoudite. Ah, c'est joué derrière Atif. Vers l'avant. Il a bien joué de la part de l'Axalt. Enfin de Rodriguez, je crois. Allez. Jiménez. L'Axalt. Allez, Rodriguez. Suarez. Suarez toujours vers Cavani. Suarez encore. Rodriguez. Cavani. Allez. C'est récupéré par l'Arabie Saoudite. Atif. Ouais. Cavani. Ouais, dommage. Allez, Rodriguez, non. Si, si, si. Faute pour l'Uruguay. Ils vont se replacer. Vettino va venir tirer ce coup franc. Vers l'avant. Cavani. Ouais, non, dommage. Et Bettencourt. Cavani. Suarez. Suarez. La frappe de Suarez. Ça passe à côté. Dommage. Allez, Moussa Elhem. Pour le 6 mètres. 28e minute déjà. Cavani, Vettino, Suarez, attention, vers Cavani, ah dommage, bien joué de la part de Harbi, Al-Shiri, ouais, Al-Jassam, Salawi, Abed, Salawi encore, Abed, l'arrêt de Mousselera pour l'Uruguay, Varela, Nandes pour Cavani, mais c'est bien joué de la part des Saoudiens. Abed. Al-Jassam récupéré par Jiménez. Rodriguez. Vettino. Suarez. Cavani. Vettino. Suarez. Vecino, attention la frappe. Oh là là là, il aurait pu attendre plus. Il n'y avait personne pour le bloquer. Vecino. Allez, Mosellem. Tirez ce 6 mètres. Faut qu'il siffle. Allez, Al-Jassam. Cavani. Vettino. Suarez. Bettencourt. Bentancourt, pardon. Suarez. Alors Cavani. Retour vers Suarez. Attention Rodriguez. Ah, dommage, ça passe au-dessus. Allez. Moussa Elhem encore. Dans le rond central. Avec Cavani. Vers Suarez.
Suarez et l'ouverture du score pour Uruguay. C'est Luis Suarez, le numéro 9. Une des deux grandes vedettes hein, de cette sélection uruguayenne. Allez. L'Arabie Saoudite, donc à la 41e minute, comme le match de tout à l'heure avec le Portugal. Atif Al-Jassam Al-Abed Al-Jassam Al-Salaoui Salaoui. Égalisation de l'Arabie Saoudite juste après le but de l'Uruguay. C'était à la 44e minute. Al-Salaoui qui permet d'égaliser. C'est leur premier but en Coupe du Monde 2018. L'Arabie Saoudite, ils n'avaient pas marqué en première journée, ni dans le jeu, ni en vrai. Allez, Suarez pour engager du coup. Cavani. Bentancur. Jiménez. 4 minutes de temps additionnel. Cavani. Fait par Al-Salaoui. Jassam. Al-Jassam toujours. Alors Al-Salaoui. Jassam. Attention. Ouais, récupéré par Nandez. Mais attention. Al-Salaoui. Non, bien joué. Par Jiménez. Nandez vers la passe. Rodriguez loin devant. C'est dégagé. Al-Jassam. Al-Salaoui. Nandez. Bentancur. C'est à la mi-temps. 1-1 à la mi-temps. 2 buts dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. C'est Suarez à la 41e. Et Al-Salaoui à la 44e. Pour l'instant, un match plutôt serré. Arostov sur le don. Ouais, on revoit quelques arrêts parce qu'il y en a eu des arrêts quand même. Il y a eu pas mal de loupés aussi. Alors pour l'instant, c'est connu pour ça, ce stade dans le jeu. Ah, le loupé de Suarez. Ouf, ça franchement je sais pas ce que c'était. J'ai complètement loupé. Ah c'était passé au-dessus. Et là, le but de Luis. Entre le petit filet et le grand filet. L'égalisation de Al-Salaoui. Et du coup, 5 tirs à 3. 3 tirs cadrés pour les Saoudiens. Hein. Ils sont très bons au niveau de tir là. Alors que l'Uruguay un peu moins. Mais on peut dire que ça va. Du coup, on reprend le match. Et c'est l'Uruguay qui engage cette deuxième mi-temps. Cavani. Bentancur. Jiménez. Cavani. Suarez. Ah non, ça récupère par Al-Jassam. Allez, Salaoui, Al-Salaoui, toujours. Alors Al-Jassam, Al-Jassam qui l'a toujours. Al-Salaoui, ça passe à côté, il y a corner pour les Saoudiens.
Dommage, c'était pas loin là. Al-Abed pour tirer ce corner. Allez. Attention, on s'est dégagé par Vettino. Arbi. Abed. Arbi encore. Récupéré par l'Uruguay. Varela. Varela vers Edinson Cavani. Varela encore. Cavani. Luis Suarez. Betancourt. Suarez. Cavani, Suarez vers Rodriguez. Ah, il a cherché Suarez, l'a pas trouvé. Vettino. Rodriguez. Attention. Ils sont sous pression là les deux équipes en vrai. Avec Cavani, Suarez. Dommage, c'était beau ce qu'il avait fait, mais ça sort en corner. Changement pour l'Uruguay, c'est Aras Keita qui a remplacé Bentancur pour l'Uruguay. Allez, corner tiré par Rodriguez. Le gardien sort. On se souvient que l'Uruguay avait marqué un but à cause d'une sortie de gardien. Enfin, grâce à une sortie de gardien. La frappe de Rodriguez! Quel but! Ils prennent l'avantage. Jiménez, pardon. C'est Jiménez qui permet à l'Uruguay de prendre l'avantage dans cette deuxième période. En pleine lucarne, il bat le gardien saoudien. Ah, ça peut être décisif, hein. On ne sait pas si les Saoudiens sont capables de revenir au score encore une fois. Allez, changement, c'est Sanchez qui a remplacé Rodriguez. Allez, à la 57e minute, c'est José María Jiménez. Ah non, c'est Jiménez. Ok, très bien. Non mais je sais pas, de toute façon il a dit José alors que c'est José en vrai, donc c'est bizarre quoi. Il a dit José Jiménez, moi j'aurais dit du coup José Jiménez ou José Jiménez. Allez, 6 mètres. Changement saoudien, c'est Kaibari qui va remplacer Atif. Varela, Nandez, Cavani, Vettino, Sanchez, Edinson Cavani. Edinson Cavani s'est loupé. Et encore un changement, c'est Moualad qui a remplacé Al-Chehri. Arbi. Jassam. Moualad. Charani. Non, Vettino qui récupère l'Axalt. Vers Sanchez. Suarez. Cavani. Vers Nandez. Ah, dommage. Jassam. Moualad. Ouais, Vettino qui récupère, bien joué. Suarez, il reste 20 minutes à jouer. Cavani. Suarez, Cavani encore. Luis Suarez. Vers, je sais pas comment c'est son nom, Suarez. Oh là 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 là.
Dommage, il aurait pu mettre un doublé aujourd'hui. Dommage. Allez, Mossylem pour se s'y mettre encore. Allez, Sanchez. Cavani. Nandez. Ah non, dommage. Varela. Cavani. Nandez. Suarez, le poteau. Dommage. Il est présent Suarez hein. Aujourd'hui. Les corners pour Nandez. Allez, non, c'est la tête de Alabed qui éloigne ça. Et ça sort en touche pour l'Uruguay. Godin. Jiménez. Suarez. Suarez, attention. Oh non, dommage. Et il n'y a pas de pénalty. Suarez qui est à terre. Il se relève. Sanchez. Vervetino. Sanchez. Suarez. Sanchez encore. Ça sent un corner pour l'Uruguay. Allez, Nandez encore une fois pour tirer ce corner. Attention, c'est dedans Cavani qui loupe encore. Edinson. Un Godin qui s'énerve. Hein. Allez. Allez, bien joué. Suarez. Cavani. Il reste 6 minutes à jouer. Ça reste pour Nandez, non. À la bête. Ils ont rien fait les Saoudiens dans cette période. Ça a été tout uruguayen. À Nandez, Cavani, Pettino, Cavani encore. Nandez. Suarez. Sanchez, ça passe à côté. Eh, c'est... Ah non, il a dit Jiménez cette fois. Putain, je comprends rien, les gars. Comment c'est Jiménez, du coup, l'homme du match pour aujourd'hui. Allez, dégagez dans l'axe. Aoussaoui. Allez, non, dommage. Mouvalad, attention. Jassam. Salaoui, non, c'est récupéré par Godin. Avec 4 minutes de temps additionnel. Suarez. Cavani. Vettino. Cavani. Nandez. Varela. Cavani. Vers Suarez. Le deuxième but de Luis Suarez. Avec sa célébration cette fois, la passe de Cavani. Enfin, Cavani, il n'a pas été très bon niveau tir, mais niveau passe décisive, il y a été 2, je crois, sur 3 buts. Donc, l'Uruguay qui va s'imposer aujourd'hui
sur un score de sûrement 3-1. Luis Suarez qui est pour l'instant très fort, je crois qu'il a 3 buts en tout sur notre Coupe du Monde. Allez. Que voilà, Awashi. Allez, c'est terminé dans un instant. Voilà, victoire de l'Uruguay. 3-1. Du Luis Suarez à la 41e minute. Al-Salaoui à la 44e. Jiménez à la 57e, je crois. Et Suarez, donc qui est sûrement homme du match maintenant. Hein. Peut-être qu'ils ont changé d'avis. Et Suarez à la 90e, du coup. Quel match! Que l'on revoit le premier but de Suarez. Il nous montre plus ses loupés. Allez. Ça là, oui, son but également. C'était beau ce qu'il avait fait là, Suarez. C'était arrêté par le gardien saoudien. Oh là là, quel but! Quel but! Là, le poteau de Suarez et sûrement après le but de Luisa. Voilà, c'est loupé un peu au début mais finalement ça rentrait. Du coup, score final 3-1 Uruguay. J'espère que ce match vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, de partager, important, de vous abonner, également important. Et moi je vous retrouve tout à l'heure pour le dernier match de la journée qui sera Iran-Espagne. Allez, à tout de suite.